Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 5, enfin 15, l'épisode 15 au total de la saison 3. Un épisode qui m'a mis dans le feu, enfin qui m'a mis le feu plutôt, et dans le feu aussi, puisque c'était le feu de l'action. Il s'est passé tellement de choses avec, Reiner, on sait, le pauvre Mskin, en fait, au final, il est pas mort. Donc c'est bien ce que je pensais dans la review précédente, je vous l'ai dit. Ça m'annonçait pas une mort. Reiner, si vraiment il meurt, je pense qu'on voit un truc qui se passe de ouf. Par contre, déjà le haut de sa tête est déchiqueté. Et je pensais vraiment qu'avec ça, il était dead. Mais pas du tout. Il a, comment il explique Bertolt, en gros, il a transféré ses capacités, on va dire cognitives. C'est pas son intellect, son cerveau, c'est ses capacités qui lui permettent de réfléchir, son esprit, si tu veux, à l'intérieur de son corps. Alors, ça peut paraître chelou, mais dans l'épisode 1, c'est exactement, je crois, ce qu'il fait. Puisque quand Rivai lui tranche avec sa lame, il lui tranche la gorge et il veut à moitié lui découper la tête, Reiner arrive à transférer ses capacités cognitives à l'intérieur de son corps. Donc, c'est en gros la technique qui a permis à Reiner. Et je pense que c'est tous les titans qui sont capables de faire ça, en l'occurrence, peut-être, puisque Bertolt dit c'est vraiment la solution ultime. Et il est choqué, puisqu'il se rend compte que, ouais, ils l'ont poussé à bout. Reiner, c'est un grand guerrier, et ils l'ont poussé à bout. Mais il y a plein de questions que je me pose vis-à-vis de ce qui a été dit dans cet épisode. Par exemple, le titan bestial, une chose qu'il a dite, il parle de malédiction. Donc on va parler de tout ça. Ouais, moi je dis, c'est le feu. Et puis surtout, Mikasa et Armin, ces deux personnages que j'adore le plus, vraiment, c'est bizarre, mais limite, Eren, je m'en fous un peu. J'ai pas le sentiment, cette émotion d'être attaché à ce personnage, à part peut-être dans le début de la saison 1. Et encore, je trouve que je suis beaucoup plus attaché à Mikasa et Armin, à leur développement. J'ai envie de les voir plus. Armin, là, en l'occurrence, je trouve que dans ces épisodes qui s'enchaînent, on le met vraiment en avant. Et ça, c'est super cool. On a envie de le voir lead. On a envie de le voir être un leader, de pouvoir donner des ordres. Et justement, c'est lui à chaque fois qui arrive, qui tilte que Bertolt, il est dans le tonneau en l'air. Il tilte à chaque fois de ce qui va se passer le prochain coup. Donc je pense vraiment qu'à la fin de cette expédition, Armin risque d'être récompensé. Si il ne meurt pas, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça me ferait bader, mais on n'en sait rien. Début d'épisode, on se retrouve bien évidemment avec les souvenirs. On a Marco qui était l'ami de Jean, si je me trompe pas. Oui, Jean. Et ce sacré Jean, il aimait bien Marco. Et en fait, il a pas capté comment Marco est mort, je crois, puisqu'il se posait les questions vu qu'il était mort sans son équipement. Si je me trompe pas, il y avait un délire comme ça, il y avait une sorte de mystère sur la mort de Marco. Là, en l'occurrence, on sait que c'est Reiner qui avait fait une bourde, enfin en gros qui parlait avec Bertolt. Ils étaient en train de discuter de leur réelle identité, en l'occurrence, que c'était des titans. Marco les surprend, et du coup, c'est la fin de Marco. Ça s'arrête là. Mais on a quand même un petit passage sur Annie qui est super intéressant, puisque Annie, jusqu'à présent, enfin, en tout cas, au moment où elle sauve Connie, on l'a vu le flashback. À part ça, si tu veux, Annie, même vite fait avec Armin, de temps en temps, dans la dernière scène, quand ils sont dans l'escalier qui va au sous-sol avant qu'elle se transforme, je trouve que Annie, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment. On ne sait pas dans quel camp elle est. On ne sait pas si vraiment elle a de l'empathie pour les autres ou pas. Là, on la voit chialer pour Marco. On voit vraiment qu'elle a de l'empathie. Et je pense vraiment qu'Annie pourrait devenir, peut-être, si elle se libère, une alliée de l'humanité. Ça serait bien, en tout cas, de voir, en fait, une sorte quelqu'un qui penche de l'autre côté de la balance. Puisque jusqu'à présent, les titans restent les titans. À part Eren, mais c'est un humain de base qui se bat pour l'humanité. On n'a pas eu de titans. Peut-être Grecha, mais il est mort en tout cas, on suppose. J'en sais rien, je sais même pas où il est où. Je sais même pas s'il est mort d'ailleurs. Mais on n'a pas de titan qui est devenu, en l'occurrence, du côté de l'humanité. Ymir a disparu. On a cette image, je comprends pas, avec Reiner qui tape dans le cœur et on entend un bruit de métal. Je capte pas du tout qu'est-ce qui est arrivé à Ymir. Ymir, est-ce qu'elle est dead? Ymir, est-ce qu'elle est devenue du liquide? Je sais pas, franchement, je sais pas ce qui s'est passé pour elle. Mais en l'occurrence, on n'a pas la réponse dans cet épisode. Je sais pas si on l'aura dans cette saison. Après le passage avec Marco, on va avoir le passage de la discussion avec les trois qui n'étaient pas en train de boire un café comme je le pensais. Non, ils étaient en train de boire une sorte de thé noir apparemment. Quelque chose qui ressemble à du thé noir. Et c'est apparemment commun dans le monde, je vais dire le monde des titans, même si c'est la même planète peut-être, le monde des titans. Dans cette conversation, il y a un truc qui m'a retenu le plus, je pense, et c'est ce qui me perturbe énormément, c'est quand le titan bestial parle de malédiction. Il dit, cette malédiction, on peut se poser quand même une question. Moi, je pense, ils ont la rage, on le sait, les titans, surtout dans cet épisode, on a vu Reiner, quand il parle de Marco, quand il dit, je sais plus comment il parle des humains, mais limite, c'est des insectes en parlant d'eux, quand il dit ça. On a ces titans qui ont la haine contre les humains. On a les humains qui ont la haine contre les titans. On a le roi, rappelez-vous, la lignée royale des Race, celui qui pouvait se transformer en titan, et tous ceux qui ont pu se transformer en titan, savent qu'il fallait pas anéantir les titans. Ils auraient pu anéantir les titans,
pourquoi pas. On se pose la question en fait de se dire si, mine de rien, les deux sont obligés peut-être d'être dans cette balance en fait meurtrière, dans cette balance sanglante. Bertolt il dit, mais c'est toujours un combat en fait. Et donc, peut-être que à vie, les titans doivent massacrer les humains. Pourquoi? Parce que ça leur permettrait peut-être d'empêcher, imaginons peut-être, je dis ça une connerie comme ça, mais ces transformations. Peut-être que se transformer en titan, bah c'est pas du tout normal pour les humains en l'occurrence, et que quand ils parlent de malédiction, c'est leur capacité à se transformer, peut-être c'est ça, peut-être que ça permettra en fait pour eux de vivre normalement et de pas être constamment à envoyer des guerriers se transformer en titan, etc. Je comprends pas, je sais pas du tout de quoi ils parlent comme malédiction, mais on a quand même cette balance entre les deux, les titans détestent les humains détestent les titans, sauf que les humains, la lignée royale en tout cas, ne pouvaient pas supprimer, enfin ils avaient la capacité de supprimer les titans, mais ils l'ont pas fait, et on sait pas pourquoi, on sait pas, c'est comme si pour avoir la paix, il disait, c'est le seul moyen. Donc, peut-être que les deux sont obligés de coexister, en fait, de cette manière-là. Donc, c'est une question que je me suis posée. C'est intéressant. J'espère qu'on aura la suite, bien évidemment, sur cette réponse. Enfin, sur cette question, plutôt. Dans l'épisode, globalement, on va pas se mentir, Bertolt, il est mis en avant, ici. On a un tout nouveau personnage. Quand il se fight versus Mikasa, c'était juste kiffant. Parce que Mikasa, quand elle apparaît derrière lui, mais avec le regard, je l'adore. Vraiment, il n'y a rien à dire. Quand elle se bat, elle se donne à fond. Et puis, Bertolt, qui lui met quand même un coup de kick, et elle s'en rappelle Mikasa, puisqu'elle dit « J'ai l'impression de voir un autre homme. » Là, on a l'impression d'avoir un vrai guerrier, et peut-être même supérieur à Reiner, etc., en termes d'intellect, en termes de peut-être maniement des choses. Il a eu le plan, en fait, de saccager, mine de rien, d'utiliser sa taille. Quand il plonge sa main et qu'il envoie des débris sur tout le monde pour que tous les humains se fassent écraser sous les débris, mine de rien, voilà, il faut réfléchir pour faire ça. Peut-être que Reiner, lui, c'est plus un guerrier qui va foncer comme Eren et qui est plus balèze dans tout ce qui est technique de combat, etc. Mais on voit que Bertolt, ce qui a tilté ici, c'est Reiner, c'est son frère d'armes, son ami, et c'est pour lui en fait qu'il fait tout ça, mine de rien, il veut le sauver. Et il lui dit bien d'ailleurs de s'allonger, ça c'était super bien joué, allonge-toi pour que ça protège en fait tout simplement la nuque. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas juste envoyé justement leur lance-tonnerre sur les côtés de la nuque, ça aurait pu exploser, et donc effectivement, enfin, ça aurait pu endommager Reiner. En tout cas, jusqu'à présent, lui, on sait pas ce qui va lui arriver, je pense pas qu'il va mourir, mais globalement ici, parlant, ils sont dans la merde. Là, je pense pas que... À côté, il y a le titan bestial. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le titan bestial, il a l'air super intelligent. Je pense qu'il a un plan de ouf. Et Erwin le dit. Est-ce que c'est... Enfin, c'est quoi la suite? C'est quoi que t'as prévu? Est-ce que ça va dans ton sens là? Là, en l'occurrence, ça va être ouf. Moi, je pense, j'ai hâte de voir la confrontation avec le titan bestial. Pour l'instant, on ne l'a pas vu bouger. J'ai vraiment hâte de voir ça. Armin à côté, qui devient justement à la fin un petit peu le chef, puisqu'il doit ordonner à Sasha, Connie, Eren, Mikasa et Jean présent. Il doit leur dire... Bah, quelle est la marche à suivre pour battre le titan colossal? Et clairement, moi je vois pas. Moi je vois pas. Comment tu veux vaincre? Enfin, Armin, il voit. Obligé, il voit. Parce qu'Armin, il est super intelligent. Mais comment tu veux battre le titan colossal? On a vu la taille. Il a l'air de plus en plus impressionnant. Et il n'y a rien à dire. L'animation, l'OST derrière, ça envoie. Ça jette à la gueule. C'est super beau. Et on voit vraiment. On peut savourer ici les moments de combat, les moments de fight et la transformation. Moi, je trouve que tout était bien fait. C'est juste parfait. Maintenant, il faut se dire, est-ce que Armin, lui, va pouvoir de son côté trouver la solution pour battre? Parce qu'il est un peu en flip. Et d'un côté. Bon, Reiner, il y avait encore Hanzi qui était là, etc., qui donnait les ordres, mais là, c'est lui qui va donner les ordres pour battre le titan colossal, donc s'il se craque, tout le monde peut mourir, quoi. Donc là, c'est vraiment une grosse responsabilité qui arrive sur lui, mais s'il y arrive, je pense qu'après, il sera récompensé, il n'y a rien à dire. Il mérite un grade de commandant, un truc comme ça, ou d'avoir son propre squad, mine de rien, son escouade à lui. Je pense que ça serait cool d'avoir Armin en chef, et tous les autres avec lui, Eren, etc. Ça serait énorme. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, je l'ai adoré. Je vous dis, bien évidemment, pour One Punch Man, on se retrouve vite. Sur ce, ciao!